Une plage de sable longue de 10 km, des températures douces, 300 jours de soleil par an. Agadir a su transformer ses qualités naturelles en force économique pour devenir la plus grande station balnéaire du pays. La ville s'est dotée d'immenses complexes hôteliers de toutes catégories. Au total, elle dispose d'un parc de 23 000 lits et accueille chaque année près de 700 000 touristes. À quelques kilomètres seulement, les grandes constructions laissent place aux petits villages de terre qu'on appelle des douars. Et la richesse du tourisme est relayée par la culture très spéciale de l'argan. Cette plante aux nombreuses vertus tant cosmétiques qu'alimentaires, et dont les Occidentaux sont maintenant de grands consommateurs, a la particularité de n'exister nulle part dans le monde ailleurs qu'ici, entre le Haut et le Moyen Atlas. Ce véritable or vert est exploité par des coopératives de femmes qui se sont constituées depuis une quinzaine d'années et contrôlent l'ensemble de cette filière avec un réel succès, tout en gagnant leur indépendance économique. Fatima Ameri préside l'Union des coopératives de l'huile d'argan des environs d'Agadir. Ils livrent toute la production directement à UCFA, c'est l'Union des coopératives bien sûr, et là ils assurent la commercialisation de leurs produits sans que la femme part au souk bien sûr. Les amandes deviennent un outil d'émancipation pour les femmes. Ensemble, elles ont engagé une formatrice qui vient enseigner dans le village. Apprendre à lire, à compter, pour acquérir une nouvelle autonomie. L'alphabétisation, c'est beaucoup plus une alphabétisation fonctionnelle. C'est-à-dire, il apprend à lire et à écrire, et aussi savoir les bonnes manières et les bonnes étapes de production de l'huile d'argan. C'est surtout ça. C'est les étapes de production de l'huile d'argan. Ce qui apporte l'argan, comment préserver cet arbre qui est une source de revenus pour vous les femmes. Du moment que la femme savent lire et écrire, ils peuvent se déplacer. Par exemple, ils savent le numéro de bus, même pour y aller à un autre douar, une autre ville. Parce qu'avant, ils ne peuvent pas se déplacer. Il y a toujours un homme qui part avec la femme pour une direction, pour y aller à la ville. Alors maintenant, ils peuvent y aller toutes seules. Khadija Ouiskiran est l'une des femmes qui travaille à la coopérative. Pour faire l'huile d'argan, après avoir récolté les fruits, on trie d'abord les noix, puis on les laisse sécher. Une fois que tout est sec, on enlève la graine pour pouvoir la travailler. L'argan, c'est bon pour la santé. C'est bon pour les personnes qui ont des problèmes de poids. Mais c'est également idéal pour bien hydrater la peau. L'argan est aussi couramment utilisé pour conserver la beauté des cheveux. On le conseille aussi pour lutter contre les rhumatismes et encore pour ceux qui rencontrent des problèmes de circulation sanguine. Thank you.
La légende rapporte que vers 1070, un nomade planta sa tente dans le désert et mangea tant de dattes qu'il finit par faire surgir une palmeraie.